Bon matin à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver bien pour cette nouvelle semaine. Nous sommes lundi 15 janvier 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un joli week-end. Je continue avec ce bel oracle magique, n'est-ce pas? La mission de vie, pourquoi nous nous sommes réincarnés ici sur Terre? Quels sont les objectifs? Et je terminerai avec le secret au quotidien, mais avant de commencer, j'accepte. J'accepte de prendre conscience que chacun a sa place et que je dois prendre la mienne. Et oui, accepter que chacun a sa place. Mais vous, n'oubliez pas de prendre la vôtre. Aujourd'hui, j'ai pigé perception. Eh bien, vous comme moi, nous ne sommes pas uniquement un être humain. Nous sommes aussi un être divin. Et oui, vous avez fait le choix, comme moi, de vous incarner sur Terre. Eh bien, pour vivre cette expérience humaine, et pourquoi vous êtes venu sur Terre pour vivre beaucoup d'expériences, pour transcender vos distorsions des vies antérieures, pour améliorer vos qualités et vos vertus, et surtout pour aimer. Aimer inconditionnellement. Et l'objectif est de vous rappeler, n'est-ce pas, que vous êtes déjà un être divin. Vos capacités extrasensorielles, eh bien, elles sont bien au-delà de ce que vous pensez. Vous savez, chaque jour, mais chaque jour, votre âme, elle vous parle. Vous recevez ces messages à travers votre, eh bien, perception et ces cinq canaux. Alors, quels sont ces canaux? Le visuel, n'est-ce pas? L'auditif? Le kinesthésique? C'est-à-dire la sensation physique? L'olfactif? Et gustatif. Alors vous savez, plus vous calmez votre mental et écoutez votre corps, eh bien, plus vous amplifiez et affinez vos perceptions. Imaginez-vous allongé sur une plage. Fermez les yeux et imaginez-vous allongé sur une plage. Et le soleil, il chauffe votre peau. Et la lumière perce à travers, eh bien, les feuillages des arbres, le chant des oiseaux et le clapotement des vagues parviennent à vos oreilles. Vous avez envie de vous baigner dans une eau turquoise et goûter la saveur de l'eau salée. Imaginez-vous tout ça. Et puis, quand vous aurez imaginé tout ça, posez-vous ces questions. Comment avez-vous vécu cette scène? Est-ce que vous avez vu plutôt des images, plutôt entendu des sons, ou plutôt ressenti des sensations telles que la chaleur ou le sel de l'eau? D'où toute l'importance de la perception, n'est-ce pas?
comme mantra pour aujourd'hui, vous allez vous dire, je peux faire confiance en mes perceptions. Je peux faire confiance en mes perceptions, bien sûr. Je peux faire confiance en mes perceptions. Très joli message. Et je termine, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le secret au quotidien, lorsque vous commencez à vous interroger à propos de la vie, cela signifie que vous avez franchi une étape majeure. La vérité de la vie est à la portée de tout le monde, comme elle l'a toujours été. Mais seuls ceux qui posent des questions obtiennent des réponses et découvrent la vérité. Lorsque nous posons des questions et que nous souhaitons ardemment obtenir des réponses, nous attirerons cette dernière sous une forme que nous comprendrons. Pour recevoir des réponses dans la vie, eh bien, vous devez commencer par poser des questions. Et c'est ainsi que vous aurez vos réponses. Ça, c'était le secret au quotidien. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain avec un nouveau message. D'ici là, portez-vous bien et moi, je vous embrasse. À demain.